J'en ai marre, ils me prennent vraiment pour une bébête. Mais c'est qui encore ça? Allô? Mais c'est qui encore ça? Eh oh! Il est rose! Et coquette là! Eh oh! Mais arrêtez! La 2010! Bon, je vais raccrocher. J'en ai marre, c'est encore ces gens qui m'embêtent toute la journée. C'est saoulant. Qu'est-ce que j'entends, Lily Rose, là? T'es pas censée faire tes devoirs, je t'entends crier. Non, rien. T'es sûre qu'il se passe rien? Non, t'inquiète. T'es sûre et certaine? Oui. Ouais, parce que moi, je suis pas si sûre que ça. J'ai reçu un message sur mon téléphone tout à l'heure. Quoi? Et Peppa Pink aussi. Oui. Et voilà, c'est le collège qui nous envoie un message en nous disant « Lily Rose a reçu une heure de colle aujourd'hui ». C'est pas vrai, j'ai jamais reçu d'heure de colle, j'ai rien... Pas... Donc le collège est en train de mentir? Oui. T'es sûr? Oui. Et il n'y a pas le motif de l'heure de colle, donc je sais pas pourquoi c'est, mais ce qui est sûr, c'est que mercredi prochain, t'as une heure de colle. J'ai rien fait, donc ça veut dire que tu vas encore rater le basket à cause de ça. Mais j'ai rien fait. Et là, je vois que t'es pas en train de faire tes devoirs. Mais j'ai fini mes devoirs. On va vérifier ça, Lily Rose. Là, on peut plus te laisser toute seule, on peut plus te laisser travailler. En ce moment, tu fais... Mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu ramènes ça à l'école? Pourquoi tu ramènes ça à l'école? Mais c'est pour me déstresser. T'es stressée maintenant? Bah... Alors, qu'est-ce que c'est ça? Le cahier. Alors, il y a bien une heure de colle. C'est déjà la deuxième de la semaine. Donc non, là, ça veut dire que t'es collée ce mercredi-là et mercredi d'encore après. Non. Lily Rose... Oh non, mais c'est pas possible. Lily Rose dit des grossièretés à ses camarades. Mais c'est pas vrai. Non mais Lily Rose, je peux pas te laisser faire ça. Mais c'est pas vrai. Ok, bon, t'inquiète pas. Je vais dire ça à Peppa Pink. On va bien voir ce qu'il se dit. Je prends ton sac et je lui montrerai ce que t'as ramené à l'école. Non mais c'est pas possible, il me croit pas. C'est pas de ma faute si je me suis pris des heures de colle. J'ai juste répondu. Lily Rose. Quoi? Lily Rose. Quoi? C'est bon, on a regardé tous tes cahiers, oui. toutes tes notes là, c'est plus possible de continuer comme ça là, c'est trop catastrophique. Si ça continue encore un mois comme ça, tu vas redoubler à coup sûr. Mais non, mais t'inquiète pas, j'ai bonnes notes, Si. Du coup, hop, le téléphone, ton téléphone, on le prend. Mais quoi? Et on va regarder ce qui se passe un petit peu. Mais c'est une blague ou quoi? D'ailleurs, on va regarder ce qui se passe un petit peu à l'intérieur, parce que je pense qu'il doit y avoir d'autres problèmes que les notes, parce que c'est pas possible de se prendre 2 heures de colle comme ça. Attends. Quoi, ça te fait rire? Non. Ça te fait rire cette situation? Non. Bon, allez. Attends, c'est quoi ça? 432 appels manqués? T'as reçu 432 appels? Oui. Sur Snap, Instagram, sur ton numéro? Non, mais c'est quoi ça? Et que des personnes différentes? Bah... C'est des gens de ta classe ou quoi ça? Bah, de toute l'école. De toute l'école? Oui. Non, mais c'est pas possible, là. Non, mais c'est du harcèlement, c'est un... Non mais attends, il y a 3 minutes, il y a 4 minutes, il y a 7 minutes, il y a 15 minutes, mais il t'appelle toute la journée. Bah oui. Même la nuit, je vois, oui. à 3h22 du matin. Non mais c'est quoi ça? C'est pour ça qu'en ce moment ça va pas. Non mais là j'hallucine, il faut que je montre ça à Peppa Pink là. Bah oui, vas-y. Attends, et même, non mais sur tous les réseaux quoi. Même sur les commentaires de tes photos. Mais oui. Ok, ça peut pas durer comme ça. Là, je vais le prévenir parce que si ça continue comme ça, je pense qu'il faut te changer carrément d'école. Okay, ah bah attends, il y en a un qui appelle justement maintenant. Allô? Hé hey. Il a raccroché direct, quoi. Bon, allez, on va essayer de régler cette situation okay, parce que si c'est comme ça... De toute façon, je pense qu'on va pas te laisser retourner à l'école tant que ça sera pas terminé. Wow. Et les heures de colle, on va voir ce qu'on peut faire pour ça. Enfin une croix, j'en avais marre de tout ça. Franchement, c'était embêtant. Lily Rose, j'ai ramené Peppa Pink là. Bon, Esteban, il m'a brièvement raconté ce qui s'est passé. Bon, alors tu te fais harceler au téléphone, sur les réseaux? Comment ça se fait? Tous ces commentaires là, que tu as, que j'ai même pas lu. Je lui ai même pas tout montré, là on a même pas tout regardé. Je l'ai appelé le plus vite possible, il est arrivé en 30 secondes.
Et tu les as lus, Esteban? Non. J'ai presque rien lu, j'ai juste vu les appels, les commentaires. Mais vous inquiétez pas. Oui, donc tu sais pas si c'est du harcèlement. Mais les 432 appels. C'est peut-être des messages pour te dire des choses gentilles. Dis-nous la vérité, est-ce qu'il y a des gens qui t'embêtent par téléphone? Bah oui, hein. Et c'est à cause de quoi? Tu les as lus? Ben, je sais pas, moi. Des pop-its que tu ramènes, des trucs comme ça? Ben, ouais, sûrement. Ils embêtent les 2010? Est-ce que c'est par rapport à l'école ou non? Bah oui, c'est au collège qu'elle se fait embêter. J'ai très bien compris. Si ça te fait rire, tu peux partir. Mais non, j'essaye d'analyser la chose. Non, mais et c'est de bon, comprendre. On s'en fiche. Si tu comprends pas la situation, on va aller au commissariat sans toi parce que c'est très grave. Non, pas besoin d'aller au commissariat. Si c'est à l'école, on règle les choses à l'école. Là, je pense qu'il faut qu'elle change de classe. Il suffit que Lily Rose nous dise exactement. Mais si je change de classe, moi. Tu veux changer de collège ou pas? Non. C'est par rapport à quoi, Lily? Mais il l'embête. Oui, mais voilà, tu connais les gens qui te disent ces commentaires là ou pas? J'ai l'impression qu'il y a tout le collège qui l'embête là. C'est bizarre. 432 appels. 432. Ça peut pas être qu'une seule personne. Bon, on va essayer de résoudre ça quand même. On va aller se renseigner à l'école. Est-ce qu'au niveau de tes copines? Allez, des bêtises. Mais non, mais partir. Si c'est tes copines. Mais allez. Esteban. Je pense qu'il comprend rien. Il comprend rien. Mmh. Mais en tout cas, Lily Rose. On va tout faire pour que ça s'arrange. Je pense que dès demain, on va aller au collège. Ah, parce que là, c'est n'importe quoi. Hein. Et on va leur dire, si ça s'arrange pas dans les 2 jours, on te change de collège carrément. Et on va appeler... Mais, quoi? Attends, je pensais à un truc. Je pense que tu devrais en discuter avec tes copines quand même pour savoir ce qui se passe. Mais elles le savent, hein, mes amies. Et qu'est-ce qu'elles Mais elles peuvent rien faire. Bah oui. Réfléchis. C'est pas ses copines qui vont aller voir les gens qui l'embêtent. Je sais très bien. Oh là là, mais toi tu comprends vraiment rien à rien. Et t'en as pas parlé à tes professeurs? Bah c'est compliqué hein, quand même. Bon allez, on va le faire à sa place. Ouais. Demain à la première heure, on va leur dire si ça continue comme ça, on ira voir la police parce que bah, ça peut pas continuer. Moi ce que je vais faire, je vais lire les commentaires aussi. C'est plus possible de vivre comme ça. C'est plus possible de vivre comme ça. Mais je vais lire les commentaires pour savoir si c'est vraiment des commentaires méchants tiens, ou si c'est des commentaires... Prends son compte Instagram. C'est des commentaires gentils aussi. Elle prend son compte et de toute façon, elle reçoit des appels toutes les 2 minutes. Donc je devrais... D'ailleurs, j'en ai reçu un tout à l'heure et c'était une petite voix comme ça qui disait... Ah oui, j'en ai marre, Pop-It. Lily Rose, j'aime bien ce que tu fais. Bisous. Bon. Mais ça, c'est les commentaires de nos vidéos. On parle des commentaires de son compte privé Instagram. Compte privé Instagram. Allez. Franchement, il ne comprend rien. Je pense que plus bête que ça, tu meurs, je crois. Bon, en tout cas, les amis, on vous dira ce qui se passe une fois qu'on sera allé au collège demain. On aura des nouvelles. Vous aurez certainement la suite de cette affaire. En attendant, vous pouvez aller voir une autre de nos vidéos qui apparaît là. Et à la prochaine. Et on espère que ça se passe bien pour vous. Sinon, prévenez les bonnes personnes. Bye oui. Bye.